s'était réfugié dans le bureau juste après avoir encaissé une nouvelle dérouillée, du genre 7 à 1. La saison tirait à sa fin et nous-mêmes n'étions pas loin de la fin du tableau. Pour remonter à la première place, nous aurions dû gagner 25 matchs d'affilée. Et j'avais dans l'idée que ça allait être la dernière fois que j'entraînais les Bleus. À la batte, notre meilleur homme plafonnait à 243. Tandis que pour les tours de base, le plus rapide ne dépassait pas les 6. Même topo avec notre lanceur vedette qui comptait en moyenne 7 réussites pour 10 échecs, ce qui lui faisait un goal average de 3,95. Le vieil Anderson ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit du raid. Il prit sa part avant de pousser la bouteille vers moi. Et par-dessus le marché, grogna Anderson, ça fait 15 jours que je me trimballe des morpions. D'où Jésus, patron, je suis désolé pour vous. D'ici peu, vous ne m'appellerez plus patron. Je sais, mais entre nous, je connais aucun manager capable d'éviter à ses boeufs en soif la dernière place, dis-je avant d'écluser un bon tiers de la bouteille. Mais le pire, enchaîna Anderson, c'est que je pense que je dois ces bestioles à ma femme. Fallait-il en rire ou en pleurer? Dans le doute, je m'abstins de réagir. Deux doigts furtifs caressèrent la porte d'entrée qui coulissa ensuite sur elle-même pour laisser place à un désaxé, vu qu'il portait des ailes de papier dans le dos. Il ne devait avoir guère plus de 18 ans. « Je suis celui qu'il vous faut pour votre équipe, » murmura-t-il. Un authentique zozo. Fallait voir comment il avait massacré son costard pour laisser sortir ses ailes, qui n'étaient pas petites, et sans doute ensuite les avait-il collées ou nouées dans son dos, à moins que... Allez savoir. « Écoute, » crachota Anderson, « tu ferais mieux de te tirer. On a eu notre dose de bouffonnerie sur le terrain. Inutile d'en remettre, déjà qu'ils se marraient comme des baleines lorsqu'ils nous ont virés du stade. Alors du vent et rapido. » Le gamin étendit le bras, s'empara de la bouteille et s'enfila une rasade, puis il s'assit et poursuivit. « Mr. Anderson, je suis la réponse à vos prières. »« Petit gars, » répliqua Anderson, « t'es trop jeune pour boire cette merde. »« Je suis plus vieux que je ne le parais. Et moi, j'ai quelque chose pour te faire encore un peu plus vieillir. » Anderson pressa le bouton qui se trouvait sous son bureau, ce qui en clair voulait dire « Bull Cronkite ». Prétendre que ce boule-là fût un tueur serait mentir. Mais en revanche, je peux vous garantir que fumer du Bull Durham par le trou du cul après avoir eu affaire à lui témoignerait d'une chance inouïe. D'ailleurs, il faillit arracher la porte lorsqu'il rappliqua. « Lequel, patron ? » aboya-t-il en nous reluquant, mais sans cesser d'assouplir ses énormes battoirs d'imbéciles bornés. « Le merdeux avec ses ailes en papier, » fit Anderson. Bull prit son élan. « Ne me touchez pas, » piailla le merdeux aux ailes de papier. Mais quand Bull chargea, « Mon Dieu, protégez-moi !» le merdeux s'envola et se mit à décrire en rasant le plafond de grands cercles tout autour de la pièce. D'un même élan, Anderson et moi nous nous précipitâmes vers la bouteille. Mais le vieil homme me battit d'un goulot, tandis que Bull, lui, tombait à genoux. « Seigneur qui êtes aux cieux, pardonnez mes offenses. Un ange, un ange !»« Déconnez pas, lui lâcha l'ange, tout en continuant à planer. » Puis il ajouta, « Je ne suis pas un ange. Je n'ai d'autres ambitions que d'aider les Bleus. D'aussi loin que je ne me souvienne, j'ai toujours été un de leurs supporters. »« Bon d'accord, redescends et causons boulot, » dit Anderson. L'ange, ou quoi qu'il fût, amorça sa descente pour venir se poser sur une chaise. Aussitôt, Bull le débarrassa de ses chaussures et de ses chaussettes pour lui embrasser les pieds. Anderson se pencha, et ne dissimulant pas son dégoût, il glaviota son Bull avant de lui hurler pleine poire. « Va te faire foutre, taré, débile !» Il n'y a rien que je déteste plus que la sentimentalité dégoulinante. S'essuyant le visage, Bull s'éclipsa avec dignité. Anderson farfouilla alors dans ses tiroirs. « Pute borgne ! Il m'avait pourtant bien semblé que j'avais là-dedans des contrats types, mais à défaut d'un formulaire, il avait mis la main sur une bouteille qu'il ouvrit sans quitter du regard le kid. « Dis-moi, sais-tu frapper une balle à effet ? Une balle coupée ? Et comment t'en sors-tu avec une glissante ? Et comment, bordel de Dieu, le saurais-je ? » s'exclama le kid. « Il m'a fallu me cacher pour survivre. Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les journaux et à la télé. Mais j'ai toujours été un fan des Bleus, et depuis le début de la saison, je souffre pour vous. » « Alors comme ça, tu t'es planqué. Mais où ? Dans le Bronx, même dans une cage d'ascenseur, un type avec des ailes serait vite repéré. C'est quoi ta combine ? Et ces machins, dis-moi comment les as-tu fabriqués ? À quoi bon vous ennuyer avec les détails, Mr. Anderson ? À propos, c'est quoi ton nom, kid ? Jimmy. Jimmy Crispin. JC pour les intimes. Hey, kid, tu me montes quel bateau, là ? Avec ton JC, tu te foutrais pas de moi par hasard ? Oh non, Mr. Anderson. Eh bien, serre-moi une. Ils se la serrèrent. Bonté divine, ce que t'as les mains froides. Depuis quand t'as pas fait un vrai repas? Pour mon 4 heures, je me suis tapé un poulet frites et de la bière. Bois un coup, kid. Anderson se retourna vers moi. Belay? Ouais. Vous me convoquez pour demain matin 10 heures cette foutue équipe au grand complet. Aucune absence ne sera tolérée. Depuis la bombe atomique, on n'a pas trouvé mieux.
Maintenant, on se rentre et on se pieute. T'as un endroit pour dormir, kid ? Évidemment, s'écria le kid, avant de décoller droit vers les escaliers. Le stade avait été isolé du reste du monde. Personne à l'intérieur sinon les joueurs, gueule de bois oblige, ils devaient penser que ce mec avec ses ailes en papier était une sorte de gag publicitaire, et qu'on le testait sur eux. Chacun prit son poste, et le kid se retrouva avec une batte en main. À présent, il faut vous imaginer leurs yeux injectés de sang, s'écarquillant de stupéfaction, lorsqu'après avoir tapé jusqu'à la troisième base sur une balle en rase-motte, le kid s'envola vers la première base. Mieux, avant même que le joueur qui avait réceptionné la balle ait pu la renvoyer, le kid avait déjà rallié la deuxième base. Tétanisé qu'ils en étaient dans le clair soleil de 10 heures du matin, pourtant, pour faire partie des bleus, fallait en tenir une sacrée dose. Mais là, on atteignait les sommets. Ce n'était pas fini. Prenant de vitesse le lanceur, JC mit le cap sur la troisième base, et impossible d'apercevoir ses ailes. Aurait-on au réveil absorbé ses deux Alka-Seltzer, le temps que la balle achève sa course, cet objet volant non identifié avait atteint la plaque de but. À l'évidence, le kid pouvait tout gagner. À la vitesse d'un supersonique, moyennant quoi, il suffisait de rapatrier les deux autres joueurs de la défense, de l'outfield vers l'infield, on se retrouvait donc avec deux demi et deux deuxièmes bases. Conclusion, aussi mauvais que nous serions, plus personne ne nous battrait. Nous allions le soir même en avoir la démonstration. La première chose que je fis en rentrant chez moi, ce fut d'appeler Bugsy Malone. Bugsy, quelle est la cote des bleus pour une victoire en championnat? Ils ne sont même pas cotés, pas le moindre pari sur eux. Quel connard voudrait miser sur eux, même à 10 000 $ contre un? Tu peux m'inscrire à combien? Non, sérieusement. Si je te le dis. À 250 contre un. Tu veux y aller d'un petit dollar, c'est ça, hein? De 10 000. 10 000? Eh, hey, mollo! Je te rappelle dans deux plombes. Le téléphone sonna 1h45 plus tard. Ok, je prends ton pari. On ne doit jamais cracher sur 10 000 $. Ça peut toujours servir. Merci, Bugsy. À ton service. Je n'oublierai jamais ce premier match en nocturne. L'équipe adverse s'imagina qu'on cherchait à gagner les faveurs du public en mettant les rieurs de notre côté. Mais quand Jimmy Crispin s'éleva dans les airs pour éviter un home run imparable, une balle qui n'aurait pas manqué de passer largement au-dessus de l'enceinte du center field, chacun sut, dans le camp d'en face, que la partie ne serait pas de la tarte. Histoire de vérifier par lui-même, Bugsy avait fait le déplacement par avion. Et comme je ne le quittais pas du regard, je le vis en perdre son cigare à 5 $ lorsque JC s'envola pour intercepter cette balle. Et dès lors qu'aucun règlement n'interdisait à un homme ailé de jouer au baseball, on les tenait par les baloches. Et solidement, on gagna à l'aise. Crispin marqua 4 fois, tandis que nos adversaires ne purent jamais dépasser notre infield, et rien de ce qui vint de l'outfield ne nous inquiéta. Les matchs qui suivirent furent à l'avenant. Le public s'y rua en masse. Déjà que de voir voler un homme avait de quoi les transporter, alors que nous eussions 25 matchs à gagner en si peu de temps, ne pouvait qu'augmenter son hystérie. La foule aime assister aux résurrections. Or les bleus sortaient de la tombe. C'était le miracle quotidien. Life va interviewer Jimmy. Time, Life, Luke, mais il était avare de confidences. « Je veux juste voir les bleus emporter la coupe », se contentait-il de leur déclarer. Or, mathématiquement, ça frisait l'inconcevable. D'ailleurs, comme dans tout conte de fées qui se respecte, avec coup de théâtre final, le rideau allait se lever sur la dernière rencontre de la saison. Les Bleus contre les Bengals, avec lesquels nous partagions provisoirement la première place. Au vainqueur donc le trophée. Depuis que Jimmy nous avait rejoint, nous n'avions perdu aucun match. Et pour ma part, je m'étais quasiment ramassé 250 000 $. Comme manager, je me posais là. Dans les minutes précédant ce duel au sommet, on s'était, le vieil Anderson et moi, retrouvés dans son bureau. Quand depuis l'escalier, un drôle de bruit nous fit dresser l'oreille. Tout de suite après, un corps ivre s'encadra dans la porte. JC en personne, mais sans elle, qu'avec du moignon. Ces salopards ont scié mes putains d'ailes. Une femme m'attendait dans ma chambre d'hôtel, et quelle femme? Vénus réincarnée. Et en plus, les mecs, ces salopards avaient traficoté les boissons. Aussi, à peine ai-je commencé à la ramonner, qu'ils ont eux commencé à me scier les ailes, coincé que j'étais. Même je n'ai pas pu tirer mon coup. Quel piège à con! Et dire que pendant tout le temps que ça a duré, il y avait ce gonze qui fumait son cigare. Il se fendait la pêche dans son coin tout en bavassant. Oh mon Dieu, quelle créature de rêve, quand je pense que je ne l'ai pas baisé. Et merde. Allons, mon poulot, tu n'es pas le premier à avoir été entubé par une bonne femme, dit Anderson, avant d'ajouter, est-ce que tu saignes? Non, ce n'est que de l'os, de la connerie d'os. Mais je suis désespéré, je vous ai trahi, les copains. À cause de moi, les bleus vont trinquer. Je me sens coupable, coupable, coupable. Une culpabilité qui m'enfonçait de 250 000 $. Je repris la bouteille et la séchai. Avec ou sans elle,
JC tanguait trop pour pouvoir assurer. Anderson posa sa tête sur le bureau et se mit à chialer. Du dernier tiroir, je sortis son Luger que je glissais dans ma poche. Et je sortis direction les tribunes officielles où je m'installais derrière Bugsy Malone et la superbe nana qui l'accompagnait. J'étais assis dans le box réservé à Anderson qui devait être en train de se biturer à mort, en tête à tête avec un ange défunt. Plus jamais d'ailleurs Anderson n'occuperait cette place, comme plus jamais je ne m'occuperais de l'équipe. Juste avant de grimper les marches du stade, j'avais téléphoné au banc de touche pour qu'on refile la conduite des opérations au batteur ou à n'importe qui d'autre. « Salut Bugsy, » dis-je. Les Bengals étaient à la batte. « Où est passée votre merveille ? Je ne la vois pas, » répliqua Bugsy en allumant son cigare à 5$. « Il est remonté au ciel à cause d'une scie à métaux à 3,50$. » Bugsy ricana. « Un mec comme moi peut pisser son boc dans l'œil d'une mule et faire en sorte qu'ensuite il en coule un mint julep. Voilà pourquoi je suis en haut de l'affiche. » « Qui est cette sublime créature ? » Fis-je. « Elle ? Mais c'est Elena. Elena, laisse-moi te présenter Tim Bellet, le plus mauvais manager qui ait jamais existé. » Quand Elena croisa ces choses en nylon qu'on appelle des jambes, je ne pus que pardonner à Crispin de nous avoir ruinés. « Enchanté, Mr. Bellet. » « Pas tant que moi. » La partie commença et les mauvais jours revinrent. À la 7e période, nous étions menés 10-0. Bugsy, qui s'en pourléchait les babines, n'arrêtait pas de caresser les jambes de la créature et le reste de son corps aussi d'ailleurs. Le monde lui appartenait. Un moment, il se retourna vers moi et m'offrit un de ses cigares à 5$ que j'allumais illico. « Ce type était vraiment un ange ?» demanda Bugsy en grimaçant un sourire. Il voulait qu'on l'appelle JC, mais que le diable m'emporte si je sais pourquoi. « Comme quoi, l'homme a toujours battu Dieu quand ils se sont mesurés, » pontifia-t-il. « À chacun sa religion, » dis-je. « Sauf qu'à mon avis, couper les ailes d'un homme, c'est comme de lui couper sa bite. Peut-être bien que oui. Encore que, avis pour avis. » Je pense plutôt que la terre ne tourne que grâce au surhomme. Et si c'était la mort qui menait le bal ? Cruel dilemme, non ? Le temps que le Luger apparaisse dans ma main, que je l'avais déjà appuyé contre la nuque de Bugsy. Par le sang du Christ, Bellet, ressaisis-toi. Prends la moitié de ce que je possède. Non, prends tout. La fille comme le magot, mais écarte ce flingue. Tu es jouissif, crois-tu ? Eh bien, jouis. J'appuyai sur la détente et le Luger cracha l'horreur. Son crâne éclata comme une coquille d'œuf. De la cervelle et du sang se répandirent partout. Sur moi, sur ses jambes gainées de nylon, sur sa robe. Durant une heure, ils suspendurent le match. Le temps de nous sortir du stade. Le cadavre de Bugsy, sa gonzesse hystérique et moi. Après quoi, le jeu reprit ses droits. Dieu terrasse l'homme. L'homme déboulonne Dieu. Et alors que le mal étend son empire, les mères continuent de faire leurs conserves de fraises. Le lendemain matin, le maton m'apporta le journal dans ma cellule. Les Bleus emportent la coupe à la 14e période par 12-11. Ma cellule était située au 8e étage de la prison. Je m'approchai de la fenêtre après l'avoir roulé en boule, je fis glisser le journal entre les barreaux, puis le poussai et le regardai tomber dans le vide. Il se déploya, il paraissait avoir des ailes. Disons pour être tout à fait objectif qu'il flottait dans les airs comme n'importe quelle feuille de papier l'aurait fait en se dépliant. Il voltait vers la mer, vers ces vagues blanches et bleues qu'on apercevait au lointain et que je ne pouvais toucher. Contre l'homme, Dieu gagnera éternellement, quelque apparence qu'il prenne. Une saloperie de mitraillette, un tableau de clis, ou bien encore comme hier soir, une paire de jambes de nylon tressées autour du cou d'un malheureux illuminé. Bugsy Malone me devait 250 000 $ qu'il ne me paierait jamais. JC avait des ailes. JC sans ses ailes, JC sur une croix, reste que je n'étais pas encore mort. Je retraversais ma cellule, m'assis sur le seau hygiénique et commençais de chier. Moi, l'ex-manager de la Ligue Nationale, moi, l'ex-être humain. Un vent léger se faufila à travers les barreaux, aussi léger que ma façon d'en finir.